Commence, bonjour à tous. Normalement, le son est bien activé. Je vous demanderai de votre côté donc de couper vos micros. Normalement, je n'en entends pas pour l'instant, donc ça doit être bon. Ok. Bon, ça me paraît bien. Donc, pour rappel, vous pourrez poser vos questions sur ce webinaire d'introduction à la réglementation à la fin de nos présentations. Et n'hésitez pas à les écrire dans le chat, comme ça on aura la trace et on pourra y répondre. Et pour information également, la présentation donc, vous sera envoyée au format PDF à la suite du webinaire. Donc, ce webinaire d'introduction à la réglementation, qui sera conduit donc, par moi-même, Clara Seligman, et mon collègue Axel Daru, a été pensé en fait comme un préalable au webinaire auquel vous avez peut-être déjà assisté cette fois qui sont plus opérationnels et qui sont des webinaires qui viennent détailler en fait les réglementations qui peuvent impacter vos activités. Directement, par exemple, Axel avait conduit celui sur la directive SUP, donc sur les plastiques à usage unique. Et donc, on a pensé ce webinaire pour reprendre un peu les théories et bases du fonctionnement réglementaire et institutionnel en France et en Europe, pour peut-être y consacrer moins de temps dans les webinaires qui viendront dans un second temps, vous présenter donc la directive SUP et peut-être à l'été le projet de loi économie circulaire. N'hésitez pas, donc encore une fois, si vous avez des questions, on va essayer d'être le plus clair possible. On a conscience que c'est un sujet parfois compliqué avec des termes un peu techniques, mais voilà, l'idée c'est de vous expliquer ça au mieux. On l'a pensé en trois temps, donc avec une première partie sur le volet national qui vous expliquera comment la loi est élaborée en France, quelles sont les institutions qui y prennent part et quels peut-être moyens de contrôle il existe également. Dans un deuxième temps, les institutions européennes, leurs fonctions, les pouvoirs et les dynamiques qui existent entre elles. Et dans un troisième temps, de Bruxelles à Paris, donc comment la réglementation européenne est-elle traduite en France et quel est son impact? Voilà. Donc, pour débuter, donc pour vous présenter les institutions françaises, il convient de revenir sur la séparation des pouvoirs, donc le principe qui définit aujourd'hui notre état de droit en France. La séparation des pouvoirs, c'est distinguer d'une part le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ou l'autorité judiciaire, comme on la nomme parfois. L'exécutif, le pouvoir exécutif, il est constitué donc de l'action du président de la République et de son gouvernement. Je reprends vraiment les bases, mais c'est pour bien vous expliquer quel est le rôle de chacun. Le président de la République, donc, selon la Constitution française, signe les ordonnances et décrets en Conseil des ministres et promulgue les lois. Il peut également dissoudre l'Assemblée nationale. C'est en fait son pouvoir de balance par rapport au Parlement, que je vous expliquerai dans un second temps. Donc, le gouvernement, lui, détermine et conduit la politique de la nation et fait appliquer les lois votées par le Parlement. Ce gouvernement, donc, se compose à sa tête du Premier ministre, nommé par le président de la République, des ministres et des secrétaires d'État. Le pouvoir législatif, donc composé de notre Parlement dit bicaméral, c'est-à-dire à deux chambres, est composé de l'Assemblée nationale, 577 députés qui sont élus au suffrage universel direct, donc lors des élections législatives, et le Sénat, 343 sénatrices et sénateurs qui sont eux élus au suffrage indirect, c'est-à-dire par des électeurs, de ce qu'on appelle des grands électeurs, composés à la fois des élus locaux et de parlementaires. Le Parlement donc vote la loi et le budget et contrôle l'action du gouvernement, notamment à travers plusieurs compétences. On retrouve dans l'action du Parlement des missions d'information, des questions au gouvernement, des motions de censure et également un pouvoir de nomination et de contrôle des nominations qui sont faites par le pouvoir exécutif. Ensuite, le pouvoir judiciaire donc sanctionne le respect de la loi et se divise, on y reviendra dans un dernier temps, se divise avec d'un côté une juridiction dite judiciaire, qui sont en fait la juridiction de droit commun ou les juridictions spécialisées qui sont chargées du règlement des litiges entre particuliers, et d'un autre côté la juridiction administrative, qui elle est chargée du règlement des litiges entre les particuliers et l'administration. Au-dessus de tout ça, donc nous avons donc nos trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le Conseil constitutionnel est pensé comme le garant de cette séparation des pouvoirs. Il est composé de 9 membres et des anciens présidents de la République. Et donc il veille à la régularité des élections et des référendums et des lois. C'est-à-dire que toute
toute loi issue donc, du processus législatif doit respecter la Constitution française et d'autres normes, on y reviendra par la suite. Donc l'élaboration des lois en France. Donc j'ai tenté et je vais tenter de vous expliquer le parcours donc législatif et notamment des différentes notions et que vous pouvez entendre lors des prochains webinaires où vous pouvez parfois entendre parler de commissions, d'amendements de première ou deuxième lecture et le but c'est un peu de voilà de déchiffrer tout ça pour que vous pour que ce soit au plus clair pour vous. Donc l'initiative, c'est-à-dire le point de départ, l'origine d'une loi peut à la fois donc émaner du gouvernement, on parle d'un projet de loi, donc le gouvernement qui va mettre en place son agenda politique sur lequel il a été sur la base duquel il a été élu. Donc ici on parle de projet de loi en opposition à une proposition de loi qui elle émane du Parlement, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Donc ce projet de loi ou cette proposition de loi doit ensuite être déposé sur le bureau du Parlement, donc soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat selon ce qui a été décidé, pour après faire l'objet donc d'un examen. Cet examen va débuter par un examen plus approfondi dans le cadre de commissions. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale sont composés de différentes commissions sur différents sujets. Vous allez avoir la commission des finances, la commission développement durable, donc qui sont composés de sénateurs et de députés qui ont pour rôle d'étudier donc en formation réduite les textes proposés, donc projet de loi ou proposition de loi, avant son passage en séance publique, c'est-à-dire la séance qui va réunir tous les parlementaires, que ce soit d'un côté le Sénat, les sénateurs ou d'un côté l'Assemblée nationale. Une fois ce texte examiné en commission, il est donc proposé en séance publique, c'est-à-dire que les députés ou les sénateurs se prononcent sur le texte de loi en première lecture. Le texte a pour but d'être voté dans les mêmes termes. Pour cela, il faut donc que la première assemblée qui s'est prononcée sur le texte envoie le texte de loi sur la seconde, donc on va dire par exemple de l'Assemblée vers le Sénat, et le Sénat doit donc voter le texte dans les mêmes termes. Si ce n'est pas le cas, débute ce que l'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire la transmission et l'examen successif d'un texte de loi en vue de l'adoption donc d'un texte identique. Cette navette parlementaire, donc ça veut dire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, peut se produire donc après la première lecture, en seconde lecture, en troisième lecture, jusqu'à ce que le texte soit adopté dans des conditions identiques. Les amendements qui sont déposés donc dans le cadre des commissions, dont vous pouvez parfois entendre parler, donc portés par des députés ou des sénateurs de tout parti, sont des modifications qui sont après soumises au vote de l'Assemblée en vue de soit corriger, compléter ou annuler toute une partie du texte de loi qui est en cours de délibération. Si le désaccord persiste, le Premier ministre peut décider de convoquer ce qu'on appelle la commission mixte parlementaire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a pour but en fait de régler le désaccord entre les deux chambres pour soumettre un texte dans des termes identiques. Si ce n'est pas le cas, et si la commission mixte parlementaire échoue, le texte est donc repassé en séance publique pour que la navette parlementaire continue. À titre d'exemple, pour que ce soit peut-être un peu moins théorique, en ce moment est étudié le projet de loi dit Pacte, dont vous avez peut-être entendu parler, notamment parce qu'il comporte des amendements relatifs à l'interdiction des produits plastiques à usage unique. Donc Pacte a été voté en seconde lecture à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une commission mixte parlementaire qui a échoué entre les deux chambres et vient donc d'être voté à l'Assemblée nationale en seconde lecture et donc dans des termes différents et sera donc renvoyé au Sénat pour un nouveau vote. Voilà, c'est un peu une illustration pratique de cette navette parlementaire. Donc une fois la loi adoptée, donc dans les mêmes termes, la loi doit ensuite et peut, selon si le président de l'Assemblée du Sénat ou 60 députés ou sénateurs le demandent, faire l'objet d'une analyse par le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur la conformité de ce texte de loi à la Constitution et aux différentes normes du bloc de constitutionnalité et conventionnalité que nous verrons dans la slide suivante. Une fois l'avis donc du Conseil constitutionnel qui peut se prononcer soit sur sa conformité, soit sur sa non-conformité, soit sur ce qu'on appelle une conformité partielle, c'est-à-dire que certains articles du texte de loi peuvent être rejetés et d'autres non.
le président de la République donc promulgue la loi qui fait ensuite l'objet d'une publication au journal officiel. Je vous ai ensuite mis donc la case du décret d'application, ce qui me permet de faire le lien avec la slide suivante pour vous présenter donc cette petite pyramide qui va composer la hiérarchie, enfin qui va nous présenter la hiérarchie des normes en France. Beaucoup de normes en France, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et pourtant, il est important de connaître leur implication entre elles, notamment ce que je vous disais. Donc, au sommet de cette pyramide, vous retrouvez le bloc constitutionnel, c'est-à-dire la Constitution de 1958, qui est notre Constitution de Ve République aujourd'hui en France, qui renvoie également à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la Charte environnementale de 2005 et au préambule de la Constitution de 1946. Tous les principes et dispositions qui sont présents dans ce bloc constitutionnel sont donc les normes les plus importantes en France et qui prévaleront toujours sur les normes inférieures que vous pouvez y retrouver. Et donc, c'est à ce titre-là que le Conseil constitutionnel se prononce lors de sa saisine par les parlementaires à la suite du vote d'une loi. Ensuite, vous retrouvez le bloc de conventionnalité. Je ne vais pas en dire trop puisque c'est Axel qui va aussi détailler la partie sur le droit de l'Union européenne, donc le droit européen. Mais ce bloc de conventionnalité, en fait, il regroupe tous les traités et conventions internationaux à laquelle la France prend part, ainsi que notre droit européen en tant que pays membre, c'est-à-dire les directives et règlements européens. Donc, c'est-à-dire que le bloc constitutionnel prévaut sur le bloc de conventionnalité, mais les blocs de conventionnalité est donc bien une des normes les plus importantes en France. Ensuite, vous retrouvez le bloc de légalité. Ici, je vous y ai placé loi ordinaire, loi organique et ordonnance, sachant que les lois organiques, qui sont des lois qui portent sur l'organisation des pouvoirs publics en France, ont valeur supérieure aux lois ordinaires et ordonnances. Pour aller un peu plus loin, je vous ai mis la définition des ordonnances. C'est un terme que l'on retrouve souvent, dont on entend beaucoup parler et qui sont parfois aussi un peu médiatisés. Les ordonnances, pour vous expliquer, en fait, elles viennent, on va dire, comment dire ça? En fait, je vous ai mis la définition. Donc, c'est une mesure prise par le gouvernement sur le domaine de la loi. Et ce domaine de la loi est normalement un domaine réservé au Parlement, puisque le Parlement est élu. Seul lui est censé pouvoir faire la loi. Sauf que cette mesure, donc les ordonnances, vont permettre au gouvernement de se rendre sur le domaine de la loi pour mettre en œuvre son programme. Pour cela, il doit tout de même avoir l'habilitation du gouvernement, donc qui est faite lors de l'habilitation du Parlement, pardon, lors d'un vote. Et ensuite, à la fin de la présentation des ordonnances, ce Parlement doit ratifier les ordonnances pour lui donner force de loi. Autrement, si une ordonnance n'est pas validée par le Parlement, elle n'aura qu'une seule valeur de décret. Décret que vous retrouvez un peu plus bas dans la pyramide. Donc, une ordonnance, pour vous expliquer un peu plus clairement, c'est la volonté d'un gouvernement de mettre en œuvre son programme, souvent contraint par un temps plus court. Le Parlement l'y habilite et le gouvernement présente ensuite ce texte. Le gouvernement, oui, présente ensuite ce texte au Parlement. Donc, en fait, on est sur une sorte de procédure un peu distincte de la procédure législative classique. Voilà. J'espère que j'étais assez claire sur les ordonnances. Vous n'hésitez pas à me poser des questions à la fin sur ce sujet. Ensuite, donc les principes généraux du droit, c'est une petite particularité puisqu'il s'agit de règles non écrites, contrairement à toutes les autres normes que je vous ai présentées ici, qui sont dégagées par le juge administratif. C'est-à-dire qu'elles sont non écrites et le juge va les identifier à travers une pratique que l'on retrouve dans notre état de droit. Je vous ai mis un exemple, ça va être le principe d'égalité des citoyens devant les services publics, qui est aujourd'hui donc un principe général du droit, mais qui, lorsqu'il a été dégagé par le juge administratif, n'avait jamais été identifié comme tel. Et donc, ces principes non écrits ont une valeur supérieure aux actes administratifs. Donc, une valeur inférieure aux lois, mais tout de même supérieure aux actes de l'exécutif. C'est-à-dire, d'une part, les règlements, qui sont les décrets et les arrêtés. Donc, le décret, je vous en parlais tout à l'heure, on a plusieurs sortes de décrets, mais celui qui est le plus connu, c'est l'acte d'exécution d'une loi, qui va être soit de portée générale ou individuelle, et qui est forcément signé par le président de la République ou le Premier ministre. On retrouve également des décrets qui peuvent être dits autonomes, c'est-à-dire qui, eux, ne prennent pas base sur une loi, mais qui sont tout de même un acte exécutif.
Et ensuite, je vous ai également mis donc les arrêtés qui, eux, émanent d'une autorité ministérielle ou autre. Donc ici, non pas du président de la République ou du Premier ministre, mais soit d'un ministre, soit d'un préfet ou d'un maire, par exemple, et qui fixent également les détails d'exécution d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Donc en fait, le but de ces règlements, c'est bien de détailler une loi qui peut avoir un principe assez général et donc quelles vont être ses modalités d'exécution. Par exemple, je peux vous dire que sur les amendements PAC qui ont été passés, si on interdit des produits plastiques à usage unique, on peut décider par décret de donner une définition claire d'un plastique à usage unique, quels sont les polymères concernés, etc., etc. Et donc ensuite, tout au bas de la pyramide, on retrouve les actes administratifs qui sont composés donc des circulaires et directives et qui, eux, prennent vraiment la forme de notes d'organisation interne à un service qui vont être rédigées par un fonctionnaire qui en assure la direction. Par exemple, une circulaire ministérielle ou une directive va être la façon dont un fonctionnaire ou un ministère décide d'organiser sa compétence. Donc là, on est ici sur des actes très circonstanciés à un champ restreint autour des compétences des fonctionnaires ou des ministres. Voilà, donc ça c'était le bloc, donc c'était la hiérarchie des normes en France. J'ai essayé d'être un peu exhaustive. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais l'idée c'est vraiment que lorsque vous entendez parler d'une de ces normes, vous sachiez où elle se situe par rapport à d'autres. Et dans un dernier temps, donc les procédures et sanctions en cas de non-respect du droit français, j'ai voulu vous parler d'une part du contrôle de constitutionnalité a posteriori, et aussi donc de l'autorité judiciaire que j'avais abordée dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Donc, si vous avez bien suivi, je vous ai parlé du Conseil constitutionnel et de son contrôle qu'il exerce après le vote d'une loi. Donc ici, on parle d'un contrôle a priori, c'est-à-dire avant la promulgation d'une loi. Et ici, je vais vous parler d'un contrôle de constitutionnalité qui, lui, intervient a posteriori. Et pour ce faire, on parle en fait d'une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et ici, en fait, on se situe dans le cadre d'un litige, c'est-à-dire qu'un justiciable, dans le cadre de son litige, que ce soit à la fois devant l'autorité, devant l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif, va soulever en fait la constitutionnalité ou la non-constitutionnalité plutôt d'une disposition législative qui est applicable à son affaire. Et en fait, en estimant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, il va venir en fait mêler cette constitutionnalité à son litige. Pour la faire un peu rapidement, du coup, le litige est mis en suspens. L'ordre saisi fait part de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, qui peut donc soit déclarer la disposition conforme, et donc le procès reprend devant le tribunal qui était saisi en premier lieu, soit la disposition est déclarée contraire et la disposition concernée est abrogée. Donc en fait, pour expliquer pourquoi on l'a placée ici, c'est qu'une loi votée au Parlement faisant l'objet d'une QPC peut en fait être abrogée a posteriori de son vote. Voilà. Donc c'est en fait un outil très intéressant en termes de contrôle des lois et de leur conformité à notre Constitution. Et ensuite, l'autorité judiciaire, de façon plus classique, interprète la loi et tranche les litiges qui lui sont soumis, donc sanctionne en fait la concordance entre la situation qui est présentée et la loi existante. Cette fonction est assurée par tribunaux et les magistrats qui les composent. Et les deux ordres en France, donc, qui composent notre autorité judiciaire, ce sont d'une part l'ordre judiciaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec les juridictions civiles, qui sont dites juridictions de droit commun, les juridictions pénales également, et ensuite les juridictions spécialisées. Ici, vous retrouvez le tribunal de commerce, les prud'hommes, qui sont eux donc spécialisés sur un champ de compétences par rapport aux droits qu'ils tranchent. Et ensuite, l'ordre administratif. Donc, vous entendez peut-être souvent parler du Conseil d'État, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, qui eux, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tranchent les litiges que peut avoir un particulier, un citoyen, avec l'administration au sens large. Vous entendez aussi parfois parler de degrés différents dans les affaires que vous pouvez suivre ou auxquelles vous pouvez être confronté. L'ordre judiciaire, en fait, a plusieurs instances. Donc, on a une première instance, une deuxième instance et ensuite une juridiction dite suprême. Pour les juridictions civiles, il s'agit de la Cour de cassation et pour les juridictions pénales, de la Cour d'assises.
Côté administratif, c'est pas aussi clair puisque les compétences peuvent varier selon nos trois tribunaux, donc Conseil d'État, Cour administrative d'appel et tribunal administratif. Mais de façon, on va dire, de façon générale, c'est le Conseil d'État qui est considéré comme la juridiction suprême de l'ordre administratif. Voilà, je suis allée un peu vite, j'espère que j'ai pu vous expliquer ça au mieux. Je vais donc donner la parole à Axel Daru, qui va vous parler cette fois du volet européen. Bonjour à tous. Petit coup de Thalys de train pour partir entre Paris et Bruxelles, voire Strasbourg, pour faire un tour des capitales européennes et de la place du droit européen dans notre droit national. Donc, on va voir un peu un aperçu et un panorama des institutions européennes, leurs fonctions, leurs pouvoirs et leurs dynamiques, pour ensuite s'intéresser à la façon dont les textes européens se traduisent en France. Alors, sur l'architecture institutionnelle européenne, il faut savoir que le Conseil européen réunit les 28 chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est là où va notamment Macron quand ils ont le dit qu'il va à Bruxelles, c'est que notre président se rend au Conseil européen. Ce Conseil européen définit les grandes orientations et donne les impulsions, donc c'est vraiment à l'initiative politique. Et ensuite, la Commission européenne qui du coup réunit 28 commissaires, un par État membre. Pour nous, au niveau français, c'est le commissaire Moscovici qui s'occupe des questions fiscales, le commissaire en charge des questions environnementales et le commissaire Vella, qui est du coup le commissaire de Malte. Donc cette Commission européenne va proposer des lois par rapport aux impulsions politiques données par le Conseil européen. Ces lois peuvent être des directives, des règlements ou des décisions. On va voir dans un prochain slide tout ce que ça veut dire, que ce soit une directive, un règlement ou une décision ou une recommandation ou un avis, quelle différence juridique il y a dans ces différents termes. Et suite en fait à ce processus, à cette initiative juridique de la part de la Commission européenne, il y a un dialogue qui se forme avec le Conseil de l'Union européenne, qui sont les 28 ministres. Sur nos questions, ce sont les ministres de l'environnement. Donc quand typiquement il y a des questions qui touchent à l'économie circulaire, c'est la majorité du temps Bruno Poisson qui s'y rend. Et le Parlement européen qui réunit 751 députés et qui donc se situe à Bruxelles et à Strasbourg. À Strasbourg, c'est pour les sessions plénières. La prochaine session plénière ayant lieu la semaine prochaine et fera l'objet justement d'un vote en session plénière pour la directive SUP. Il faut savoir donc du coup qu'avec ce dialogue entre le Conseil de l'UE et le Parlement, il va y avoir des prises de position par rapport au texte qui a été soumis par la Commission européenne, avec différents mouvements du texte, différentes étapes qu'on va voir par la suite. Un petit rappel pour vous dire qu'au niveau du Parlement européen, vous allez avoir la chance de voter aux élections européennes le 26 mai prochain et que vous avez une date limite d'inscription en liste électorale qui est fixée pour le 31 mars, pour un petit rappel citoyen. Sur les compétences de l'Union européenne et la primauté du droit européen, qu'il faut savoir que quand on dit c'est la faute de Bruxelles, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des compétences exclusives de la part de l'Union européenne, effectivement, typiquement le marché intérieur, l'agriculture ou la pêche, mais il y a aussi des compétences partagées. Et typiquement, les compétences partagées entre les États membres et l'Union européenne, c'est l'environnement, par exemple, et ça touche typiquement à nos sujets. D'où l'influence en fait de Bruxelles sur le cadre législatif, le cadre réglementaire français par rapport aux exigences environnementales, ce qui explique l'influence du droit européen sur le droit national, sur les questions environnementales. Et il y a également, en fait, dans ce champ de compétences, des compétences qui sont exclusives aux États membres, typiquement le droit du travail, la fiscalité quand elle a une part très nationale, la sécurité intérieure. Voilà, je vous ai mis un petit point d'actualité sur la compétence exclusive de l'Union européenne avec notamment les questions agricoles, la politique agricole commune qui est en train d'être adoptée pour la prochaine mandature, donc pour la période 2021-2027. Quel parcours législatif au niveau européen? Alors, comme je vous l'indiquais, donc le Conseil européen qui réunit les chefs d'État membres donne l'initiative politique, et c'est ensuite la Commission européenne qui traduit cette initiative politique en initiative législative. C'est donc la Commission européenne qui présente une proposition législative au Parlement européen. C'est donc l'équivalent d'un projet de loi au niveau français, mais ça peut aussi prendre la forme d'un type de proposition comme au niveau français, avec le Parlement européen qui peut demander à la Commission de présenter une proposition législative. Il y a aussi la possibilité de mettre en place ou de faire une initiative citoyenne. Dans ces cas-là, c'est 1 million de citoyens européens qui peuvent demander à la Commission d'étudier une proposition.
Ça a été par exemple le cas pour le droit à l'accès universel sur l'eau, qui a fait l'objet d'une initiative citoyenne. Et suite à cette proposition législative de la Commission européenne qui est donnée au Parlement européen pour avis, le Parlement européen va amender la proposition de la Commission, où il va l'approuver, dans le cadre de la première lecture, en même temps que le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE, je rappelle, ce sont les ministres de l'Environnement des États membres qui vont en même temps en fait modifier le texte qui va être revu par le Parlement européen ou l'adopter directement. Si le Parlement européen et le Conseil de l'UE s'accordent, dans ce cas-là, c'est validé directement. Si leurs positions ne sont pas accordées, il y a dans ces cas-là une deuxième lecture, et le Parlement européen peut adopter, rejeter, modifier le texte revu par le Conseil de l'Union européenne, et ensuite le Conseil de l'Union européenne peut adopter, désapprouver le texte revu par le Parlement européen. S'il n'y a pas une position commune qui a été trouvée, il y a conciliation, c'est ce qu'on appelle les trilogues, avec à la fois des membres du Parlement européen, donc de la Commission environnement sur nos sujets, les ministres de l'Environnement sur le Conseil de l'UE, et notamment à la présidence en fait du Conseil de l'UE, qui est généralement un pays. L'année dernière, c'était les 6 derniers mois, l'année dernière, c'était l'Autriche, en ce moment c'est la Roumanie. Et sur cette conciliation, il y a également des membres de la DG Environnement, de la Commission européenne, donc la Direction générale de l'environnement, sur nos sujets environnement. Donc ces conciliations, de par ces trilogues, font l'objet de négociations en fait entre ces trois institutions. C'est notamment ce qu'a fait l'objet la directive SUP, donc la Single Use Plastic Directive. Et il y a ensuite une troisième lecture avec un Parlement européen qui va adopter le texte commun, qui va faire l'objet d'un vote final. C'est exactement le cas de la directive SUP la semaine prochaine. Puis le Conseil de l'UE va faire la signature finale, ce qui va donner lieu ensuite à une publication au Journal officiel de l'Union européenne et une entrée en vigueur du texte. Par exemple, pour la directive SUP, c'est 20 jours après la publication au Journal officiel. Les modalités de vote en Conseil de l'UE. Je voulais apporter un petit focus sur cette question-là, étant donné qu'au Conseil de l'UE, donc comme je vous l'ai indiqué, c'est les ministres des États membres qui se réunissent sur les questions qui sont à l'ordre du jour, donc les ministres de l'Environnement pour nos questions économie circulaire. Et il faut savoir qu'il y a différents types de votes, donc soit un vote à l'unanimité, c'est notamment le cas notamment pour les questions fiscales, donc qui requiert que chacun approuve ou s'abstienne. Il y a un vote à la majorité qualifiée, c'est le vote qui est utilisé les 80% du temps, donc c'est notamment dans le cadre de la procédure législative ordinaire, qui requiert du coup 55% des États membres, qui représentent au moins 65% de la population de l'Union européenne. Et il y a un vote à la majorité simple, qui est plutôt utilisé pour les votes qui sont non législatifs. Alors, il y a une question qui se pose notamment sur nos sujets environnementaux, c'est que la Commission européenne, donc le commissaire européen Pierre Moscovici, qui est notre commissaire français au niveau de la Commission européenne, a fait une proposition pour qu'on passe d'un vote de l'unanimité à un vote à la majorité qualifiée sur les dossiers environnementaux fiscaux. Donc sur les dossiers fiscaux, ça fera en sorte que, par exemple, on pourra mettre en place une taxe qui serait les objectifs environnementaux. Dans ces cas-là, il faudrait d'abord que ce changement de vote se fasse lui-même à l'unanimité. De Bruxelles à Paris. Donc comment les textes européens se traduisent-ils en France? On va voir un petit peu un panorama de comment ça se passe sur la transposition au niveau national, que signifient les différents types de textes au niveau européen, quelles sont leurs valeurs juridiques, quel degré de contraintes ils ont, et pour voir ensuite qu'est-ce qui se passe si le droit européen n'est pas respecté au niveau national. Sur les actes juridiques de l'Union européenne et les modalités de transposition. Donc, vous avez le règlement, c'est un acte juridique de portée générale qui va directement s'appliquer et qui va être obligatoire pour tous les États membres de l'Union européenne. Donc, un exemple concret, ça va être le règlement REACH, c'est sur les substances chimiques, qui, en fait, pour avoir une harmonisation complète du marché intérieur sur les substances chimiques, va s'appliquer par lui-même, sans même avoir besoin d'une transposition législative à l'ensemble des États membres. Il peut y avoir enfin une transposition, mais c'est simplement d'un point de vue technique. Sur le juridique, il y a vraiment un effet direct et une primauté du droit européen, et d'autant plus avec ce règlement qui s'applique directement. Donc, sur la directive, sinon, c'est un texte juridique destiné à faire harmoniser les législations dans tous les États membres, avec un délai de transposition qui peut varier de 18 à 24 mois. La directive, donc c'est notamment la directive SUP, il y a aussi par exemple la directive sur les emballages et les déchets d'emballage qui fait partie du paquet économie circulaire. Avec ensuite des actes d'exécution qui sont adoptés par la Commission européenne
suite à l'entrée en vigueur du texte pour qu'il puisse y avoir une transposition qui puisse être effective et harmonisée au niveau de chaque État membre sur l'ensemble du marché intérieur et de l'Union européenne. La décision. Donc la décision, elle est contraignante pour les destinataires à laquelle elle s'adresse, un pays de l'Union européenne, une entreprise, et elle est directement applicable. Donc, par exemple, une décision, ça peut être un acte qui a été signé par la Commission européenne, par la Direction générale de la concurrence, pour ne pas accepter une fusion. Par exemple, Alstom-Siemens, la non-autorisation de la fusion au niveau européen, c'était une décision de la Commission européenne. Ça peut être aussi une décision d'exécution qui établit les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets sur nos sujets. Ensuite, la recommandation. Donc, ça permet aux institutions européennes de faire connaître leur point de vue et de suggérer une ligne de conduite sans contraindre les destinataires à s'y confronter. Ça va être par exemple des recommandations techniques de la Commission européenne sur la classification des déchets. Là encore, la recommandation, finalement, elle tend à ce que chaque État membre aille vers une même position, mais sans réellement contraindre les États membres. Ensuite, il y a un avis, donc l'avis, un avis comme dans la vie courante, c'est une institution qui s'exprime pour donner son opinion d'une façon non contraignante, sans imposer d'obligation légale aux destinataires. Par exemple, ça peut être l'avis du comité des régions au niveau européen sur le train de mesure Air pur pour l'Europe, par exemple. Donc c'est simplement pour donner une orientation et pour tendre aussi également vers une harmonisation, mais de façon non contraignante. Alors, on en vient du coup à l'influence européenne sur les sujets environnementaux, suite à ce panorama de textes européens et leurs différences différences juridiques et aussi leurs différences en matière de contraintes. L'environnement, donc comme je vous le disais, c'est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. Et de par la primauté, l'immédiateté et l'effet direct du droit de l'Union européenne, on se rend compte que finalement, l'environnement au niveau européen a une réelle influence sur le cadre juridique et réglementaire français. Par exemple, dans la future loi économie circulaire, on aura en majeure partie une transposition des directives européennes. Donc en fait, tous les objectifs européens qu'on connaît déjà, ils vont être transposés après au niveau national, et le cadre juridique français va être adapté par rapport à ces objectifs, pour pouvoir tendre vers ces objectifs et respecter le droit européen. Il faut savoir également que dans le traité de Lisbonne, donc qui est le dernier grand traité européen qui date de 2008, a été inclus un nouvel objectif à la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, qui est la promotion sur le plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. Donc en fait, avec un réel rôle diplomatique pour l'Union européenne à l'échelle internationale. Cette nouvelle compétence, elle s'accompagnait par la création d'un poste de commissaire à l'action pour le climat, en plus du commissaire à l'environnement, et parallèlement à une direction générale climat à la Commission européenne. Et c'est le commissaire Caliente qui est le commissaire espagnol. Donc sur cette compétence un peu diplomatique et sur ce rôle vraiment pionnier de l'Union européenne en tant que défenseur de l'environnement, il faut noter par exemple que l'Union européenne est signataire de l'accord de Paris en plus des 28 États membres. Donc ça donne vraiment une vraie impulsion pour notre Union européenne. On en vient maintenant aux procédures et sanctions en cas de non-respect du droit européen. Donc, comme je vous l'indiquais, en fait, l'objectif c'est de tendre vraiment vers une harmonisation et de la transposition des directives et des différents textes européens et une compatibilité entre à la fois le droit national et le droit européen. Et donc du coup, il faut veiller à ce que tout ça puisse s'aligner correctement et que tout le monde puisse être sur... puisse être tout simplement traité de façon équitable. Donc, il y a plusieurs procédures. Il y a le manquement, l'annulation, la carence ou encore la réparation. Le manquement, c'est du coup de la Commission européenne ou un État membre qui va faire un recours auprès de la Cour de justice pour constater un manquement auprès d'un État membre, enfin d'un État membre, et qui peut demander à l'État ensuite qui y mette fin. Donc, c'est la Cour de justice qui va l'éviter. Qui va faire en sorte que l'État y mette fin, et qui va du coup appliquer aussi des astreintes, donc notamment financières, pour que l'État puisse s'aligner. Il y a également le recours en annulation, donc c'est de la part du Conseil de l'Union européenne, de la Commission, du Parlement, d'un État membre ou de la Cour européenne des comptes, ou encore de la Cour européenne des comptes, qui peut faire ce recours en annulation auprès de la Cour de justice pour annuler toute une partie des dispositions communautaires illégales par rapport au traité. Donc ça encore, c'est comme on l'a dit Clara sur le niveau droit français, ben, au niveau droit européen on retrouve à peu près ce même mécanisme avec le contrôle a posteriori. Sur la carence, donc le recours en carence, c'est un recours qui est fait de la Commission européenne, du Parlement,
auprès de la Cour de justice, donc la Cour de justice de l'Union européenne, qui peut constater une carence dans le droit communautaire et demander au Conseil et à la Commission de combler un vide juridique qui pourrait poser problème. Et le recours en réparation, c'est la Cour qui peut déterminer la responsabilité de la Commission européenne, donc au niveau vraiment européen, pour des dommages causés par les institutions ou leurs agents et déterminer les éventuelles réparations. Alors, si on doit retenir 8 points de ce webinaire, au niveau national, donc, il y a une réelle séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, comme a pu l'expliquer Clara, une initiative de la loi qui est partagée entre le gouvernement et le Parlement, donc le Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, un contrôle de constitutionnalité a priori, a posteriori de la loi, un pouvoir d'initiative législative et de contrôle de la part de la Commission européenne, et ensuite... au niveau, donc ça contrôle, ça fait un contrebalance avec le niveau européen, donc un vote des réglementations par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, une influence du dialogue interinstitutionnel sur les réglementations, une harmonisation et une transposition en droit national du droit européen, et un effet direct et une primauté du droit européen. Si vous avez des questions, nous sommes libres pour les accueillir et y répondre. Et on vous signale qu'il y a le prochain webinaire qui est le 28 mars. Sur la Single Use Plastic Directive, donc qui va vraiment faire l'objet d'un seul et même webinaire sur ces questions-là, parce qu'il y aura eu le vote du coup en session plénière, comme on l'a vu précédemment sur cette présentation, il y aura eu le vote en session plénière, le vote final de la directive SUP par le Parlement européen, et donc du coup on aura vraiment un accord final et on pourra vous dire mesure par mesure ce qui risque d'être transposé au niveau national, notamment via la loi économie circulaire. Sachez également ensuite, donc j'en profite pendant qu'on accueille les questions, pour vous indiquer qu'il y aura un questionnaire ensuite après ce webinaire, que vous êtes libre d'être honnête dans ce webinaire. Vous pouvez nous fouetter, vous pouvez aussi être gentil avec nous. Voilà, nous sommes ouverts à toutes suggestions et recommandations. Donc, je reprends la parole puisque je vois qu'on a une question sur les prochaines étapes donc de la loi PACTE. Donc, pour vous expliquer par rapport au, si je reviens à la slide sur le parcours d'une loi en France. Donc, PACTE